Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Es tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy vamos a tocar el tema de Nairo Quintana porque ha entregado una entrevista el manager general del Team Arkea Sanse, el señor Emanuel Hover, que vemos allí en la imagen, mamando gallo, tomando el pelo con Nairo Quintana después de la victoria en la vuelta a París-Niza. Pues este señor hoy ha entregado declaraciones a un medio francés donde ha dicho que él ha sido claro con Barguil y con Nairo Quintana y que ellos además lo saben de que el Arkea tendrá dos líderes en el Tour de Francia. Poniéndose a la moda un poco con lo que está ocurriendo en, o lo que va a ocurrir en el Tour de Francia, donde el Ineos lleva tres líderes, el Jumbo Visma lleva también tres líderes y recientemente el Team Movistar ha convocado a dos líderes para el Tour de Francia, Alejandro Valverde y Henry Mas. El Team Arkea lleva dos líderes, Nairo Quintana y Barren Barguil. Aquí tenemos las declaraciones que entregó el señor Emanuel Hoover, que digo lo siguiente, lo he dicho una y otra vez y los ciclistas dicen lo mismo, ya sea Barren o Nairo, el Tour es el gran objetivo de nuestra temporada, tenemos ambiciones para este evento, creo que el equipo tiene los recursos para brillar en las carreteras del Tour de Francia. Fue claro Hoover y además dijo, espero que veamos a nuestros ciclistas a la vanguardia en esta edición muy montañosa y por lo tanto diseñada para escaladores. Registro en el que evolucionan Barren y Nairo, aseguró Emanuel Hover, que pues demuestra sin duda alguna mucha confianza entre sus ciclistas. Se lo ha dicho, lo ha repetido, es más, lo había dicho también, si ustedes se acordarán, mis amigos de Costa Deportes a principio de temporada. Las ambiciones serán colectivas, prefiero abordar este tema a través de ese prisma. Si el equipo es fuerte y unido, nuestros corredores podrán brillar como individuos, dice Hover. También expresó lo siguiente, ya sea Barren o Nairo, y ambos lo saben, lo dijo. Quieren trabajar juntos, el uno para el otro, la ambición está ahí y es alta, concluyó el jerarca del equipo del Team Arkea Sunseed, el señor Emanuel Hover, que es el director general del equipo, ya que el otro que pues también ustedes ven muy a menudo en imágenes es Yvon Leganois, que es el técnico, el entrenador deportivo del equipo francés, que también tendrá al hombre que está allí de barba, que es Nasser Bohani, que será otra de las fichas claves del equipo para las llegadas masivas, pero básicamente ellos le apuntan a la clasificación general individual. ¿Qué puede ocurrir aquí? Porque pues ¿beneficiaría o no a Nairo Quintana tener a otro corredor que esté a su altura en el mismo equipo? Bueno, ya lo ha vivido en el Movistar y la verdad es que no le fue muy bien. Porque generalmente cuando hay dos o más líderes en un equipo, el respaldo de los otros ciclistas que hacen parte de este equipo, pues se reparte. Es decir, hay unos corredores que van a ayudar a uno y otros corredores que van a ayudar a otro. Entonces, nos imaginamos que seguramente Anacona, Dyer Quintana estarán con Nairo Quintana en el Tour para ayudarlo y demás, y hay otros que estarán con Barren Barguil. Entonces, de todas maneras, el Team Arkea no se quiere, arriesgar con una sola ficha. Tiene dos hombres que son de mucha categoría. Barguil ya demostró en el Tour del 2017 que tiene grandes condiciones. A propósito, Barren Barguil y Nairo Quintana sostuvieron una charla junto con Emanuel Hoover hace muy pocos días y hablaron mucho de todo lo que se conocían, del idioma y demás, con el director general del equipo del Team Arkea. Escuchemos. En casa, tranquilo. Ya hoy comenzamos a entrenar. Tuvimos la prueba de coronavirus. Me fue la prueba de coronavirus y ahora salimos a carretera a entrenar. Ok, no. Bien. ¿A la casa? Todo está bien. Todo bien, en orden, sin problema. Y esperando cuándo tenemos que viajar. Ah, ok. Oye, y tú, mi papá, explique-moi. Bon, toi, je crois que savoir que tu es à la maison, je reconnais aussi. Explique-moi comment on fait 5 heures, ou même pas, 205 km à 35 de moyenne et 3 heures à 37 de moyenne à l'époque où nous sommes, sans course, sans rien.
Je me suis bien entraîné sur l'homme-traîneur. J'ai l'impression d'avoir du temps. Non, ouais, après j'ai été sérieux sur l'homme-traîneur et puis ouais, avec le bon matos qu'on a, c'est facile de rouler vite, on va dire. Puis là, avec les températures qui ont augmenté, la densité de l'air, elle est moins présente. Et du coup, là, c'est la température idéale pour faire les bonnes moyennes secondes. Normalement, tu fais une meilleure moyenne avec les mêmes watts sur le même circuit. Vu que l'air est beaucoup moins dense que l'hiver, par exemple. Donc ouais, je profite de cette belle météo pour m'amuser un peu et faire un peu de vitesse comme en course. La vitesse, ouais, ça flambe même, parce que 35 200 km, 35 km heure, 37 sur 3 heures sur 100 km, c'est quand même assez bien. Et Nairo, pour ton information, en Bretagne, il fait très 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 beau. Très, très chaud, quoi. Grosse chaleur, il fait 26, Quel 27, calor. 28 degrés. Beaucoup, beaucoup, mucho Mucho calor, calor. Et tout? À la case? bon, ici, normalement, 20 degrés. Voilà, c'est. À Toundra, en ce moment, Lyon, bah, non? Non? Non, es tranquilo. Beaucoup de soleil. Ah, C'est bien. parfait pour l'eau. Warren, dis-moi, je t'ai vu inscrit sur quelque chose, comme quoi c'est le Duolingo, non, c'est ça? Duolingo, ouais. Ah ouais, mais non, j'ai pas Alors avancé là, j'ai fait n'importe explique-moi, t'es en quoi. train de prendre des cours espagnols ou quoi? Ouais, non, mais j'ai arrêté Duolingo, j'ai même pris Babel, j'ai acheté Babel et j'ai fait 2 jours, puis j'ai arrêté. Donc là, faut que je reprenne. Mais non, je suis vraiment motivé à apprendre l'espagnol pendant les transports et toutes les heures qu'on a dans les transports, dans le bus et tout ça. Je pense autant optimiser à la place de regarder les réseaux sociaux qui prennent un peu trop de place. Je pense d'apprendre l'espagnol, ça me dirait vraiment bien. Donc je pense que je vais essayer de bien écouter Nero parler espagnol avec Winner et je vais devoir plus vite progresser et je pense que ça va me faire du bien. Alors pour ta gouverne, moi aussi, je me suis inscrit à Babel. J'avoue que je suis loin encore d'être performant, mais écoute, je travaille un petit peu. Poquito, poquito. Et toi, Nairo, c'est bon le français ou pas? alguna clase, ¿no? Yo sigo aquí para aprender el francés. ¿Qué es tú? Ah, si. C'est vrai que ça c'est une image. Je ne sais pas si tu as tout imprimé et tout compris, Nairo, mais pour tes adversaires, c'est très bluffant. Parce qu'en fait, tu as le faciès qui ne bouge jamais. Tu es comme ça, on ne voit pas. Tu es tranquille, on ne le voit pas non plus. Et ça, pour les adversaires, c'est vrai que c'est très perturbant. Mais moi, alors moi, je vais vous dire ce qui m'a marqué, moi, dans chacun de vous, si on peut parler de victoire. Moi, ce qui m'a marqué, alors Warren, ça ne serait pas forcément le Tour de France, ça a été la façon de faire au championnat de France, où j'ai trouvé du départ à la fin, quelqu'un qui avait un physique certainement extraordinaire, on le savait déjà, mais une grosse santé, parce que pour faire 250 bornes devant, et puis en plus de ça conclure. Comme on le sait, un championnat de France et un championnat, c'est toujours disputé jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier mètre. Et donc, ça serait peut-être plus cette image-là qui moi, m'a vraiment bluffé et qui doit faire croire en toi, et je sais que tu y crois, d'énormes capacités et de pouvoir gagner des très grandes courses comme tu as su le faire encore et que ce que tu vas faire à l'avenir. Après, pour Nairo, eh bien moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand je te vois encore avec... Quand tu arrives sous la neige, que tu traces et tout, que c'est il y a quelque chose un peu d'extraterrestre, un peu de magie, et je me dis ce coureur qui arrive des hauts plateaux et qui normalement pour nous en tant qu'occidentaux on se dit il doit aimer la chaleur, eh bien non, il gagne aussi sous la neige. Et pour moi, ça a été une étape d'anthologie et marquée par le grand champion que tu es.